Salut à tous, Isaac Frostify, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui, bah écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, désormais on est vraiment actif pour de vrai et ça fait vraiment plaisir. D'autant plus que, et ça c'est une bonne nouvelle, bah ces derniers jours, carrément à en faire des. À passer vraiment littéralement des heures dessus, j'ai remodé tout mon jeu. Donc déjà comme vous pouvez le voir, hein, j'ai un tout nouveau flow. Donc voilà, tout nouveau style pour la nouvelle saison de Streetzer. J'espère que vous appréciez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà, donc j'ai modifié mon jeu. Ça m'a mis beaucoup de temps. On a changé beaucoup de choses. On a tout changé. On a modifié le gang de la Frosty Family. Voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu plus sophistiqué. C'est pas encore complètement fini, mais voilà, on est déjà sur quelque chose de pas mal, quoi. Et voilà, hein, j'ai modifié le jeu et là, bah, on avance tout doucement pour vers la nouvelle saison de Streetzer et aussi plein d'autres épisodes que vous verrez sur d'autres petites séries et tout ce genre de choses, quoi. Donc voilà, donc du coup là, on est au quartier, tranquille. Donc là, c'est le quartier, hein, vous connaissez. Et voilà, là, vous allez voir déjà, voilà les nouvelles tenues déjà de la Frostify Family. Voilà, regardez, hein. Voilà. Là, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus ressemblant à la Frostify Family. Voilà, donc des petits survêtements Nike, des tenues du PSG, des jeans, des tenues Adidas, des survêtements. Donc voilà, là on est vraiment bien. Regardez-moi ça. Donc voilà, ici c'est vraiment le coin du. C'est le coin de. Vraiment le coin du gang, quoi. On est là, on se pose, c'est vraiment le QG ici. C'est là que tout va se passer. Et voilà, on va pouvoir démarrer, je pense, quelques petites missions. Pour que vous voyez un petit peu. Déjà la couleur de ce que va être cette, on va dire, cette nouvelle partie dans la street. Donc alors, on va faire un appel. On va partir directement dans le vif du sujet. Ok, et bah dis donc, ça part déjà. Apparemment, il y a une bagarre qui se prépare. Donc vas-y, on va prendre les gars avec nous. Donc là, vous voyez, là, il y a un mec qui m'a suivi. Vas-y, toi, je vais prendre, tu m'as l'air chaud. Allez, c'est parti, hein. Du coup, on y va. On y va. Go sur la bagarre. Faut qu'on trouve un petit véhicule là. On va trouver un véhicule. On va partir là, on va aller se battre. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai fait le tour comme ça. Alors qu'il y a des véhicules devant, je crois, normalement. Bon, en vrai, je vais pas prendre tout le monde avec moi. Hein. Je vais aller en T-Max. Les gars là, les autres, ils vont se démerder. Attends, je vais aller chercher là. Ils mettent trop de temps. Ah ouais, vous voulez plus aller? Oh là là, d'accord, ils sont dégonflés. Bon, vas-y. Tranquille. Vas-y, moi j'y vais. Ah merde, oulala, alors là voilà, ici aussi il y a un nouveau gang, du coup vous en saurez plus bientôt. Mais comment dire? Là du coup je vais à une bagarre. Normalement il y a déjà des membres de mon clan qui sont là-bas. Donc on va aller régler ça. Hein. On va aller régler ça rapidement. Je vois pas où c'est. Ok, oh d'accord, c'est contre eux, contre les Latinos. Ok, bon. Donc moi je vais pas parler très longtemps. Donc comment ça vous voulez vous battre, hein? Allez, c'est parti. Donc voilà, là ça part en bagarre. Bon, ça aurait été mieux que j'ai les mecs avec moi là. Mais bon, j'ai pas compris. J'ai dit venez, on part pour une bagarre et après ils se sont dégonflés à la fin. Ou alors j'ai pas compris. Allez, vas-y, on les défonce. Donc voilà, là on repart pour une reconquête de quartier. Donc vous allez voir que là, ça va être
chaud, 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 je vous dis cette saison. Ah ouais, par contre, ils ont défoncé mes gars. Mais non. Ah ouais, ils ont défoncé mes gars. Ah ouais. Ok, du coup, j'ai échoué la mission. Ah ouais, ils ont défoncé mes gars. Qu'est-ce qui se passe là? Je crois que ça va se passer comme ça là. Attends, moi je prends mon arme. Hein. Moi, je suis un rageux. Comment ça, vous défoncez mes gars, vous croyez vous en sortir comme ça? Vas-y, on va essayer de se barrer là. Ah ouais. Ah, ils ont défoncé les gars. J'ai pas compris. Semer la police là. Ah, ils sont emmerdants. D'ailleurs, j'ai pas installé tous les nouveaux véhicules. Faudrait que j'aille checker tout ça. Bon, nous on va aller se cacher à la porte hein, rapidement. On va se cacher direct. Pas de temps avec la police là. Voilà, on va aller là. Vas-y. On va à l'appart direct. Ah ouais, les gars, ils nous lâchent pas. Hein. C'est un truc de fou, ça. Vas-y, donc du coup, on va aller se poser tranquille en attendant que la police voilà, se barre tranquillement. Voilà, on profite pour reprendre de la vie. On se repose. Donc voilà, ça, c'est mon appart personnel. Hein. C'est mon appart personnel pour l'instant. On va rester dans cet appart tranquillement. Hey, j'aime bien mon flow. Hein. Franchement, j'aime bien mon nouveau flow. Hein. Fallait que je change un petit peu de flow là. Vraiment, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Hein. Là, on a vraiment un nouveau flow là. C'est pas mal tout ça. Attends, je vais regarder d'ailleurs s'il y a des armes ici. Est-ce qu'on a des armes ici? Take weapon. Non, y a rien du tout. Y a rien. Bon, je vais appeler le gars là, voir s'il me propose un truc. D'accord. Bon, là, on a une petite mission là. Ça veut aller faire une petite attaque là. En gros, on va mettre un peu de la pression. Au gang rivaux, c'est très très bien parce que par rapport à ce qui vient de se passer, justement, c'est très très bien qu'on fasse ça. Parce que vu que là on est allé dans une bagarre et que bah voilà quoi, genre c'est un peu j'ai pas compris là, mes membres là ils se sont fait avoir et c'était un peu plus que nous. Là, c'est bien, c'est une bonne occasion pour remettre un peu les. Pour montrer un peu comment ça se passe, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est pas mal. Allez, c'est parti, on y va. On va aller montrer un peu c'est quoi le délire là. Donc ça c'est bien. On va aller voir ça. Donc là voilà, on va aller faire un tour. C'est pas moi qui conduis hein. Là, c'est pas mal aussi. Donc là, il y a le chauffeur du gang là, tranquille. J'espère que je suis bien équipé là, parce que en vrai, je sais pas sur, dans ce genre de mission, tu vois, tu sais même pas en fait sur quoi tu vas tomber, tu vois. Ça se trouve, je sais pas, on va aller dans le quartier des Asiatiques et ça va se bagarrer. Ça se trouve, on va passer devant devant d'autres gangs et voilà, tu vois. Donc on sait pas trop là. Là tu vois, c'est plus en mode vas-y, on va mettre de la pression. Peu importe sur qui on tombe, c'est un peu en mode ça, tu vois. Donc voilà, moi je vais m'équiper de mon pistolet mitrailleur, tu vois, pour être sûr. Donc pour l'instant c'est bien calme. Hein. Pour l'instant on est tranquille dans le calme. Mais moi je vous dis, ça va pas durer. Quand tu connais cette ville, tu sais que ça va pas durer.
En tout cas, j'espère que vous aimez les nouvelles tenues de la Frostify Family. Également pour mon père. Waouh, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, c'est un délire ça. Et en plus, il refonce dedans. Ah ouais. Ok, bon, attends. Je vais faire un truc. Ah ouais, il a abusé là, le bug. Il a abusé. Bon. Ouais, du coup, ouais, je disais, voilà, hein, j'espère que vous aimez les nouvelles tenues. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. Pour l'instant, c'est calme, hein. Ah. Attends, attends, attends. Bon, là, petit bug. Ah ouais. Ok, de derrière aussi. Derrière, de derrière, ça arrive. Bon, là, on est chez les Vagos, hein, on est chez les Mexicains. Eux, ils sont en général niveau armes, là, ils sont bien, eux. Là. Eux, ils sont assez chauds niveau armes. Ok, nickel. Allez, là, je pense qu'on a assez mis de pression. C'était les représailles là de la bagarre là. On leur a montré un peu que voilà, faut pas faire trop les fous, tu vois. Là, je pense que ça les a calmés un peu. Ah. Les gars, ils sont vifs, hein, les gars dans la voiture. Hein. Ils ont vu. Moi, j'arrive pas à voir s'il y a. Ah ouais, ok. Eux, ils voient direct, hein, dès qu'il y a un membre d'un autre gang. Direct, ils voient, ça tire direct. Ah ouais, mais toi aussi, conduis mieux. Allez, on est de retour. Là, je pense qu'on leur a bien mis la pression. Comme ça, ils savent de quel lait on est fait. Et voilà. Donc, fin de la mission, tranquille. On va essayer de rester chill pour ce soir. Hein. On va essayer de faire profil bas, on va dire, tu vois. Tranquille. Voilà les gars, on reprend tout doucement. Vous inquiétez pas. Je sais que vous attendez le lourd. Mais déjà, voilà. Là, on est en mode street, tranquille. Et après, les vraies choses vont arriver, vous inquiétez pas. Mais déjà, là, c'est des vraies choses, en vrai de vrai. Regardez les tenues, franchement. C'est pas mal, hein. Les coiffures et tout. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Vraiment, j'aime bien. Vraiment bien. Il y a vraiment des bons petits trucs, tu vois. Voilà, voilà, les gars. Donc, vas-y, ça va se poser, tranquille. Comme j'ai dit, on fait profil bas, tu vois. Profil bas, tranquillement. Bon, en tout cas, nous, on va se laisser là-dessus. Ce sera la fin de cet épisode. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des flots, même si vous avez rien vu encore, parce que moi j'ai fait plein d'autres tenues aussi pour moi. Et voilà, voilà les gars, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye.